Là, ça va être un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on a fait tout à l'heure, parce qu'on va l'écraser, mais on va l'écraser avec notre couteau. Mais quand je dis l'écraser, excuse-moi, je vais récupérer mon torchon qui est tombé. Voilà. Ah ouais, c'est. Bon, il se joue de moi, là, il m'est tombé dessus. Alors, on me demande s'il faut seulement prendre des cœurs d'artichaut. Alors, quand tu fais cuire un artichaut, en fait, qu'est-ce qui se mange dedans? C'est le cœur. Et après, c'est la partie sur les feuilles qui est toute molle. Donc, tu peux très bien, effectivement, si tu prends des artichauts frais, récupérer avec une cuillère la chair qui se trouve sur les feuilles pour l'ajouter à notre petit dip. Allez, on commence la musculation avec Monsieur Aïe. Et voilà, ma gousse d'ail est pelée. Alors, j'ai fait attention à pas trop l'écraser parce que pour la hacher après, c'est plus facile. Je la coupe en deux. Ah bah là, il y a un beau germe. Regarde. On voit bien, il est ouvert. Et je l'enlève. Allez, pour hacher ma gousse. Je prends, alors là,